La COP22, c'est une chance historique, c'est une chance bénie du ciel, grâce à la vision éclairée et la politique de notre auguste souverain, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui est le leader aujourd'hui du green dans le monde. Nous avons pu accueillir cet événement mondial. La communauté mondiale, les Nations Unies et tous les pays nous ont fait confiance et ont choisi le Maroc pour hoster l'événement très très important. Grâce à la stabilité qu'offre le roi Mohamed VI et la paix qu'assure et garantit notre roi Mohamed VI, aujourd'hui c'est la société civile, c'est la société gouvernementale, le Hukuma al-Mujtama al-Madani, l'Irsoumi Nodou Bad Moubadara, Had Moubadara Tkdat Khdim, Bid Simia ou Sibamia ou Tunia Tel Ed. Emplois, 800 000 emplois qui peuvent être générés par le green et par le smart. Il ne faudrait pas qu'on la perde. Ce qu'avait à faire Sa Majesté l'a fait. Il a amené donc la communauté mondiale pour faire la COP. À nous de démarrer. C'est la renaissance de l'économie durable et l'économie green chez nous. Il ne faut pas qu'on perde cette occasion. Il ne faut pas qu'on perde cette option. Il faut réagir. Option, historique. Il faut réagir violemment, fortement, et toutes les forces vives de la nation et surtout la société civile, j'y compte en tant qu'activiste et en tant que militant des nationalistes des droits humains et des droits de l'homme et pour l'environnement, qu'il y ait une vraie révolution green qui se mobilise derrière votre souverain pour montrer à la planète que nous sommes un Maroc green pour l'Afrique. Merci.